much out here. It must have been months since I stranded on these islands. Aye, okay, for now. But should anything go wrong, I guess this is why I'm recording these tapes. Survival isn't about strength or intelligence alone. It's about adaptability. If anyone is out there, be careful. This island is full of wonders that it doesn't give up its secret seasoning. Carter, signing off. Et bonjour tout le monde, c'est Eddy. Aujourd'hui on se retrouve sur le projet Castaway. Qu'est-ce que c'est le projet Castaway? C'est un jeu de survie très difficile pour moi. Le jeu ne m'aime pas, clairement je vais vous le dire, le jeu ne m'aime pas, pourquoi? Et attendez. Là il y a une île et là il y a une île. Swim to the closest shore. C'est là le closest shore? Ok. C'est une autre île que du coup je vais explorer. J'ai fait le jeu deux fois. Enfin, testé le jeu deux fois. Première fois, je suis mort de faim, de soif. Vous connaissez ma logique, j'ai rien trouvé pour. Hein. Enfin, j'ai cassé ma hache et j'arrivais plus à me nourrir sans. Deuxième, je n'ai. Deuxième, je vais sur une île. L'île, il y avait tout dessus. J'étais heureux. Waouh, deux requins. Je faisais ma life tranquillement, vous voyez. Et à un moment, je vais dans la jungle pour récupérer du petit bois. Sais-tu pas quoi? Je me fais attaquer par un tigre. Du coup, je fonce, je fuis. Le tigre me suit sur plusieurs kilomètres. Hein. Il arrête pas, il me fuit, il me suit. Je fais, allez, c'est bon, let's go, on va se fight. Vas-y, viens là. Je te prends un V1. En fait, il m'a pris tout seul, quoi. Je me suis fait marave par le tigre. Je suis mort. Du coup, j'en ai eu marre. J'ai fait, c'est bon, le jeu ne m'aime pas. Très bien, j'ai compris. Tu ne veux pas de moi. Très bien. Mais je ne désespère pas, parce que des gens comptent sur moi pour te présenter comme jeu. Et du coup, je vous retrouve aujourd'hui. Et c'est une blague. C'est une blague ou comment ça se passe? Sur Projet Castaway. Qu'est-ce que c'est Projet Castaway? Donc c'est un jeu de survie très difficile pour un petit joueur comme moi de survie. Parce qu'il se fait attaquer de partout, clairement. Voilà. Alors, on va prendre un caillou. On va le smash pour que ça fasse deux silex. Enfin, deux cailloux. Vous avez la possibilité, grâce à un livre, de faire des crafts. Nous, on va crafter notre petite stone axe qui va être très très utile. Et là-bas, il y a un joli petit lézard, gros lézard, qui va sûrement nous attaquer parce que notre chance légendaire nous fait savoir qu'on est poissard, hein, qu'elle n'est pas avec nous. Je crois que je l'ai oublié dans le survêtement du dimanche, mais bon, hein, on va jouer, on va rester là. Hein, voilà, hop, je prends des stones parce qu'il y en a besoin. Et on va partir sur... T'es mal, la taille de la guêpe. Le frelon. Oh là. Attends, c'est quoi ça? Il y a un escalier. Ah, oh, c'est le mauvais présage, ça. Un mauvais présage. Oh, il y a des punaises. Oh la vache. On va s'installer là. Hein. Du coup, on va prendre ça. Et moi, je vais faire ça. Non, on va s'installer sur la plage. Ah super, je me suis fait mal, je crois. On va s'installer sur la plage comme ça. Du coup, on va commencer à couper du bois. Alors, on va couper des palmiers, parce que les palmiers vont donner du bois. Des feuilles ainsi que des noix de coco, et en bas à droite vous pouvez voir le pourcentage
Que... Oh, ça m'a fait peur. Que... la hache reste. Donc il en faut 11. On va faire des petites brindilles pour faire les petites brindilles. Dès qu'on voit du jaune, en fait, il y a une action à faire. Soit la prendre, soit la casser, en fait. Limite, c'est ça, quoi. Donc moi, je vais la casser pour avoir des larges brindilles. Voilà. Hop. Il en faut 10. Donc là, on en aura 12, techniquement. Hop. T'es sérieuse la mouette là? Quoi? C'est quoi maintenant? Super, une araignée wolf. Ok. Je suis au bout de ma vie. Hein. Je me fais agresser tout le temps. Et je suis pas en hardcore ou quoi que ce soit. Hein. La limite, si j'aurais pu faire pacifique, je l'aurais fait. Mais là... c'est ouf quoi, la chance que j'ai quoi. Ok, on a ça, c'est parfait. On va couper encore ici. Alors moi je veux les feuilles et la noix de coco surtout. Donc en haut à gauche, en bas à gauche, pardon, vous avez tout ce qui est... Oh, mais je t'ai dû te couper devant, pas derrière. C'est quoi ce truc là? Tac, voilà. Ensuite, on va faire le bed. On va faire le bed là. Donc il faut 5 feuilles. On n'a que 4. On a combien à l'axe? 44 encore, ok. Faire très attention parce que on va avoir besoin, parce qu'en fait il n'y a qu'un seul rope et il est sur la axe, donc il va falloir crafter du rope. Tac 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 tac. Et donc là avant de finir on va prendre ça, donc il nous faut ça, il nous faut 5 small sticks. Alors là c'est bien parce qu'en fait on a des baies, on a du de la raspberry, donc des framboises, donc c'est cool, mais par contre on n'a pas de petits small sticks, donc en fait il faut qu'on cherche au bord de la plage. On va manger avant parce que là je vois que je commence à mourir de faim, donc on va eat et eat. Voilà, on va en prendre 2. Alors, j'aimerais éviter d'utiliser la hache. Ah, voilà, regardez. Ah, attendez, il y a un truc là. National flag. Là, il y en a, c'est ça que je veux. C'est parfait. Ça, c'est parfait aussi. Ça, c'est cool. 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 Inventory full. Ok. C'est pas grave. On va poser ça ainsi que le small. Je l'ai mise où ma roue? Voilà. Et donc en fait là il faut du yucca. Alors je vais juste donc prendre une dernière feuille. Normalement ça devrait être bon. Pourquoi tu tombes par là? C'est bon, la feuille est là. Donc le bed est fait. On dort direct. Pour sauvegarder la pause. Voilà. Ma première partie est là. Hein. Hop. On get out. Là, c'est là que ça va être dangereux.
On va chercher du yucca. Oh, merci, alléluia, il y en a là. Voilà, le yucca, c'est ça. Voilà, et je pense que j'ai... Je sais pas ce qu'il faut pour faire le machin. Adé yucca, hot to spin. Ok, nickel, vue d'Europe. Ça, c'est parfait. Du coup, avec l'Europe, normalement, je vais pouvoir faire notre petite pick, stone pickaxe. Non. Attends. Toulouse. Ça, on l'a fait. Stone axe. Du coup, là, on va faire la stone pickaxe. Stone pickaxe qui est normalement meilleure que la stone axe. Pas du tout, c'est la même. Ah voilà, stone axe, stone pickaxe. Et il nous faut aussi de quoi se défendre. Donc on va prendre un stone knife. Voilà. Du coup, là, on a de quoi dormir. On a ceci qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup nous aider pour tout ce qui est robe. Rop, je sais plus trop quoi. Rop, oui, voilà. Parce que là, vous voyez, pour récupérer l'eau, c'est banana, l'archtique, un turtle et un rop. Si on ne fait pas de rop, c'est mort. Est-ce qu'il y a une autre arme à distance que je pourrais faire? Non. Là. Là, non. Là, il faut un rop et small. Ouais, je sais pas. Ok. Bon, je vais sauvegarder. Et on va essayer de tuer une tortue ensemble. Ah, c'est pas cool de tuer les tortues. Ouais, bah, c'est... elle ou moi, ok. Ah non, attendez, attendez. Aussi, avant, on va préparer ça. 60. On va prendre ça. Parce que j'ai vu des barils pas loin. Donc on va prendre ça. Tu veux des small... tac, 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 il n'y en a pas. Ok, on va prendre un pareil. Donc ça c'est du crabe, mais on va pas le prendre parce que je peux pas le cuire encore. Attends, pour le barrel, il nous faut quoi? Ok, parfait. Ça et ça, on l'emmène. Ça, je récupère. Il y avait pas un baril là-bas? Je sais même plus d'où on vient, les gars. Je suis déjà paumé. Hein. Viens ici, la tortue. Oui, je suis désolé. J'ai besoin de ta carapace. Mais c'est quoi cette tortue là? Ok, on récupère. Donc la carapace de tortue. On va récupérer la viande aussi. Hein. Ça me fait chut. Voilà. Mais on va la récupérer pour mettre ça là-bas. Faut vite qu'on trouve un baril pour pouvoir cuire la viande de tortue avant qu'elle pourrisse. Qu'elle pourrit. Et je vois qu'on a pas mal de pierres. Peut-être que je vais... Attendez. Ouais, non. On va partir sur un truc simple au début. C'est-à-dire ça. Ah bah j'ai même pas les small thick. Ok, bon. C'est pas grave. T'as récupéré les os ou pas? Les os... Non. Voilà, baril, parfait.
Faut en prendre deux ou pas? Non. Oh, ça me défaut là. C'est nickel. Punaise, j'ai de la chance ou quoi là? Ah, vous vous rendez pas compte hein? Vous vous rendez pas compte, tout est à portée là, c'est cool. Mais je sens que je vais me faire attaquer par un tigre. Une bêtise comme ça. Alors, R, tac tac tac. Voilà. Donc là, on rajoute les sticks. Voilà. On va commencer le fire. Donc, hop, alors si il faut taper, 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 taper. En fait, on est en train de bouger un. Un bout de bois à l'intérieur, voilà. Ensuite, on ouvre ça et c'est Baruten. Very delicious cause. On prend, on cuit. Attends, on va attendre. Je sais pas combien de temps on. Voilà. Vous avez compris le bail. Hop. Et du coup, on va manger pour se donner du baume au cœur. Voilà. Donc là, et franchement, on est bon. On est très bon. Je sauvegarde, hein, je suis désolé, mais j'ai trop peur. Les jeux de survie, c'est vraiment pas mon domaine. Hein. Là, j'essaye de les faire parce que je trouve ça trop cool, la gestion et tout. Mais c'est ouf chez moi. Je suis très mauvais. Du coup, on en profite pour faire un marteau. Pour le quoi maltoche. Le martoche va tout simplement. Ah. Ok. On va devoir abandonner le stone axe qu'on va mettre là. On va prendre le marteau. Voilà. Et le marteau, en fait, il va nous servir à construire notre maison. Alors, on va faire un truc comme ça. Et un truc comme ça. Je peux le faire à côté ou pas? Voilà, point d'accroche, parfait. Donc du coup, il nous faut ça. Pour ça que je voulais rester proche de ça. Alors moi j'aime bien quand c'est des grandes maisons. Enfin même au début j'aime bien commencer avec quelque chose d'assez grand. Ce que je voulais faire. On a qu'un. Est-ce que je vais pouvoir crafter une hache si j'en perds une? Granit Sherman, non. Oui, ok. Alors ensuite, on a des murs, on va faire la porte on va la mettre là. Et ensuite, en haut dessus, un wooden hole,
Là, une petite fenêtre. Non, non, non. X cancel, ça marche pas. Je me fais attaquer. C'est chiant ça. Ça m'embête, donc je voulais faire un truc comme ça. F place, donc comme ça. Je peux pas? Pourquoi je peux pas? Ok, ah, pour le coup, je sais pas comment enlever ça. C'est pas grave. Et du coup, il faut 26. Ah ouais, non, mais. Ça va faire beaucoup 26, non? Mais, oui. On va aller regarder ce qu'il y a en haut parce qu'il y a peut-être des ressources qui sont intéressantes. Pas trop ce que c'est. Ok, une autre île là-bas. Enfin, une autre. Hein. Une île là-bas. Une autre île là. Ok. Alors, pour le coup, je sais pas du tout où on est. Notre île là. Password lock. Ok, il faut un password. Alors le journal, il est là. J'ai trouvé cette note, ok. Est-ce que ça montre un code? Pas du tout. Pas du tout. Oula, si je tombe, je meurs. J'ai envie de monter. Oula! Oh, ma maison. Une île là. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Non. Je peux descendre comme ça ou pas? Ok. Il y a planche de surf là-bas. L'île n'est pas si grande que ça, celle où je suis. Ok. Et niveau forêt, il n'y en a pas des masses non plus. Donc je me dis qu'il n'y aurait peut-être pas trop de prédateurs là-dedans. À part les insectes. Tout ce qui va avec. Sur l'autre île que j'ai visitée, il y avait un avion. Et j'avais trouvé des blueprints dedans.
J'aime beaucoup le jeu. Hein. Ça, j'ai fait très très longtemps du arc. J'en ai fait énormément. Je crois que j'ai tapé plus de 1000 heures sur arc. Là, il y a une grotte. Et j'étais à fond dans les constructions. Là, je me dis que si je suis à fond dans les constructions, je vais me perdre. Hein. Je vais vouloir faire des trucs de ouf et tout. Oula. Ok. Bon, est-ce que je peux récupérer celui-là là? Ouais. D'accord, il me faut 26. On va faire un petit crabe. J'ai oublié un truc très important. Qu'il faut qu'on fasse. Bah attends, je vais le manger. Et je vais faire cuire mon crabe. Il est où mon crabe? Je l'ai pas pris? Je peux la faire cuire? Ouah, t'es mal à la taille du truc! Manger ça, ouais. Mais il est où mon crabe? Je sais pas. Ah oui, voilà. Donc, il faut pas qu'on oublie de faire le récupérateur d'eau. Huile arctique, 9 bananes à la fuite et un rope. Alors là, je stick. Alors attendez, on va le mettre. Déjà en place le collecteur d'eau, on va le mettre par là. Donc ça c'est que l'arctique qu'on va mettre là. R, voilà. Ensuite ça, on le met là. Il nous faut encore 4. Alors le bananier, il n'y en a pas là. On va recouper ça. Non. Ok. Alors. La hache va casser. Voilà. On va s'en refaire une. Encore deux. Et ces feuilles de bananier. Alors, les feuilles de bananier. Donc, il faut trouver des bananiers. Et bananiers, c'est ça. Voilà. On a un là. Ah, j'ai plus de stamina. On va en profiter pour boire. Vu qu'on a des noix de coco normalement, voilà. C'est bon. Et j'ai besoin de dormir. Bon, on va dormir. Et quelle heure? Il est 9h53 du matin. Vas-y, on va dormir 6 heures. Allez.
J'ai un peu faim, on mange la noix de coco. Voilà, et on va aller couper le bananier. Il est 3h49, hein, et c'est déjà sombre comme ça, quoi. Le bananier qui est ici. Et il y a des bananes. Ok, encore deux. Il y en a un. Il n'y en a pas un autre dans le coin là? Faut que j'aille plus loin là. Je vois un Yuka, mais je vais pas le prendre. Bon, je vais aller plus loin. Enfin, attention. Dragon de Komodo. Enfin, je sais pas si c'est Dragon de Komodo. Ah, oh, il y a la pluie en plus. Faut vite que je trouve un bananier. Et sérieux? Là. On prend parce que en fait on va l'utiliser directement pour mettre dans le feu. Voilà, en plus il pleut, c'est parfait. Hop. Pourquoi ça l'a pas pris? Ah, parce qu'il pleut. C'est pour ça il pleut, je peux pas le faire. Allez, 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 allez. Non, ouais, il pleut. Oui. Ok. C'est quoi ça? Ah oui, c'est ma pickaxe. Ok. Bon, ça va, on a de quoi manger. On a de quoi manger. Mais bref, nous, on va se laisser là. Je suis content d'avoir réussi à survivre pour l'instant. Ça change. Je suis obligé de délaiter une. Ah, voilà. Ça change des deux premiers essais. Et en plus, j'ai bien avancé, je trouve. Donc peut-être que je continuerai cette game de temps en temps. Je ne sais pas. Bref, en tout cas, c'était Project Castaway. Et franchement, je le trouve assez cool comme jeu. Et un jeu de survie très sympa. Qui sort bientôt. Je ne sais plus quand. Mais voilà. En tout cas, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.